Et salut, bienvenue sur la chaîne Old American Road. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tuto qui sert strictement à rien. Ça, c'est génial. Allez, c'est parti. Donc je me suis amusé il y a quelques temps avec ma Golf et le pot d'échappement et une chambre à air. C'est pas du tout inédit, on a vu des vidéos sur ça, mais c'était super drôle. Et du coup j'ai eu envie de voir ce que ça donnait sur un V8. Alors viens voir, je te montre ce qu'il faut faire. Donc tu prends une chambre à air du diamètre adéquat. Ceci est une chambre à air d'une petite moto dirt. J'aurais pu prendre un peu plus gros, mais là c'est encore plus drôle, la section est plus fine. Je conseille éventuellement d'attacher le morceau de caoutchouc découpé avec un superbe collier en plastique rigide, de manière à ce que quand vous accélérez, ceci ne parte pas dans la nature. Et là, je l'ai coupé comme un gros sagouin, magnifiquement bien. Allez, on va voir ce que ça donne. Ça fait un bruit bien dégueu ou pas? Faut voir en roulant, c'est beaucoup plus drôle. C'est moins drôle quand même qu'avec un petit moteur où on a l'impression que c'est un V12 ou que ça gueule comme je sais pas quoi. Mais je pense que ça peut être drôle. Ça sert à rien, du coup c'est totalement indispensable. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait rire. Moi je rentre à la maison, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à partager. A plus !